Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec une exclusivité sur Infinite Warfare. Je pense que t'as compris au titre. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si t'es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On vise les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, donc n'hésite pas de t'abonner, cela me fera extrêmement plaisir. Voilà, on est de plus en plus, mon pote, on est bientôt aux 40 000, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je te tryhard ou ça se passe comment? Tu veux vraiment que je te tryhard? Enfin bref, en parlant de tryhard justement, je vous balance de nouveau le logo de la tryhard army dans l'espace des commentaires, dans la description, si vous voulez rejoindre la tryhard army, etc. Tout ce qu'il faut, c'est être fidèle à la chaîne, bien évidemment, pas d'insultes envers les autres youtubeurs. Ah oui, j'en ai vu un ou deux aujourd'hui. Aïe, faites attention, j'ai l'œil partout mon pote. J'ai l'œil partout, je tryhard les streams de mes potos et faites attention. Enfin bref. Et surtout, dernière petite chose très importante, n'oublie pas de déposer le petit like, voilà, ça fait extrêmement plaisir. En plus, je pense que, 1000 likes sur toutes les vidéos que je fais, je pense que c'est à peu près normal d'atteindre chaque fois ce stade-là. Chaque fois, on le fait maintenant, chaque fois, on atteint les plus de 1000 likes. Donc, défoncez-moi la barre des likes, voilà, 1000 likes, c'est juste génial. Vous m'aidez vraiment à monter sur YouTube et je vous adore pour ça. Et le petit dernier truc, je tiens à remercier énormément Date Production qui m'a aidé. Concernant une chose, donc je vous mets son Twitter dans la description, exact. Si vous voulez par exemple des introductions, etc., etc., c'est un mec ultra pro, donc je vous invite vraiment à aller voir, d'aller checker, etc., parce qu'il mérite d'être un peu plus connu niveau de son taf et des personnes comme ça, voilà. On va dire que niveau réputation, ils sont pas très connus, pourtant ils devraient être un peu plus connus que ça, donc le Twitter sera dans la description. On va tout de suite attaquer donc le sujet de la vidéo et je sais également pour. C'est pour ça que t'as regardé cette vidéo, c'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo et t'as envie de savoir, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et on va parler de tout ça maintenant et rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment très important. Donc, il y aurait un potentiel nouveau Dark Matter sur Infinite Warfare avec des images que je vais vous montrer maintenant, plusieurs couleurs différentes, autant que ça soit un qui soit entre orange, jaune, un rouge, un vert, etc., une possibilité, et ça serait stylé. Alors, lors de ce débat, je vais plutôt faire des choses bien et des choses moins bien par rapport à ce nouveau Dark Matter, et pourquoi je vais être assez réticent par rapport à ça, d'accord? Donc je vous ai balancé les images, je pense que vous avez pu toutes les voir, etc., etc. Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours stylé d'avoir un nouveau Dark Matter. C'est toujours stylé d'avoir un nouveau Dark Matter. Se dire, oh, il y a une nouvelle couleur et tout, etc. C'est intéressant, c'est super, etc. Tout ce que tu veux. Mais ce qu'il faut savoir concernant là-dessus, hein, concernant tout ça, c'est est-ce que la première des choses, c'est est-ce qu'on va l'avoir comme ça, hein? Supposons, oui. Parce que là, on va partir également sur des suppositions et des hypothèses, d'accord? Supposons que ça sorte. Supposons que le Dark Matter sorte sur Infinite Warfare comme ça, où il y a plusieurs couleurs, etc. Est-ce que ça risque d'être comme sur Call of Duty Black Ops 3, où il va falloir payer au niveau du pack-a-punch et tout, etc., etc. Ou il va falloir justement débloquer un certain nombre de Dark Matter et ensuite faire des défis. Voilà, il n'y a aucune preuve encore à ce jour, etc. Et comme je vous ai dit, les images, vous les voyez, hein, comme moi, etc. On ne peut pas en savoir plus. Ensuite, la deuxième des choses, et là on va dire c'est la chose peut-être la moins bien, c'est savoir, surtout, c'est que, est-ce que ça peut être réel? Est-ce que ça peut être réel ou est-ce que ça peut être fake? Et ça, c'est le truc le plus important. Est-ce que ça va vraiment arriver ainsi? Est-ce que ça va vraiment arriver sur Infinite Warfare ainsi? Parce que, en soi, les couleurs différentes, etc., c'est ultra cool. On va pas se le cacher. Je pense que toute la communauté, chaque fois qu'il y a un nouveau Dark Matter avec des nouvelles couleurs, sont là en mode, wow, ils sont trop beaux, etc., etc., etc. Moi, j'aime bien le rouge, par contre. Le rouge, il est quand même assez kiffant. Et de se dire, waouh, il y a un nouveau Dark Matter, c'est stylé. C'est stylé et ça donnerait peut-être plus envie aux personnes qui n'ont pas encore le Dark Matter de se dire, attends, il y a un nouveau Dark Matter, ça veut dire qu'il y a 5 Dark Matter maintenant, vas-y, je vais gagner le Dark Matter, je vais tryhard le Dark Matter pour l'obtenir. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un bon moyen, on va dire, d'inciter les personnes éventuellement à faire des défis, etc. Je vais prendre l'exemple parfait, étant donné que j'étais un joueur Warcraft. Et par exemple, les hauts faits, c'est une sorte de défi en quelque sorte, m'intéressaient pas beaucoup au début en fait. J'étais là en mode, ouais, je m'en bats les couilles, etc. Tu vois, moi je suis là juste pour faire mon petit stuff, etc. Enfin bref, t'as compris, te faire des pièces d'or.
Et en fait, avec certains défis, justement, sur Warcraft, tu pouvais justement obtenir des montures. Des montures, qu'est-ce que c'est? C'est des, voilà, c'est des moyens de transport sur Warcraft que tu peux trouver stylés ou pas stylés. Peu importe, je suis pas en train de dire, ouais, celle-là, elle est stylée, celle-là, elle est pas stylée, etc. Enfin bref, et c'est vrai que moi, j'étais là en mode, ouais, mais en fait, finalement, j'ai envie de faire les défis maintenant parce que, justement, je peux obtenir ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que Infinite Warfare, étant donné qu'ils aiment bien balancer des défis, etc., pourrait potentiellement faire ce système-là, en fait, sur un Dark Matter, parce qu'au final, tu débloques le Dark Matter, mais la personne qui s'amuse juste à débloquer le Dark Matter et qui a tout fini, il fait quoi? Il se fait chier. On est bien d'accord, il se fait chier. Il se fait véritablement chier, et c'est peut-être un peu dommage que, voilà, ça existe encore, qu'il n'y a pas encore un défi supplémentaire pour avoir déjà le camouflage ultime, et pourquoi pas avoir des variants du camouflage ultime. Ça serait ultra stylé, ça veut dire que tu as réussi le camouflage suprême, mais tu as envie d'en avoir plus, tu as envie d'avoir une autre couleur, tu as envie d'avoir ci, tu as envie d'avoir ça. Et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est vrai qu'on a eu l'histoire un peu de, ouais, c'est vrai, du pack à punch, on appelle ça sur Black Ops 3, même si moi je préfère le dire quand même Dark Matter parce qu'il ressemble quand même au Dark Matter, où il y a également une sorte de variante Dark Matter sur Infinite Warfare, je vous en ferai une vidéo là-dessus, bien spécifique, bien évidemment ça sera pas Dark Matter, mais il ressemble quand même pas mal au Dark Matter, et se dire quand même sur Infinite Warfare, sachant que les défis du Dark Matter sont quand même beaucoup plus compliqués que celui de Call of Duty Black Ops 3, hein. Je pense que voilà, les gens qui jouent à Infinite Warfare et qui ont fait également celui de BO3 peuvent le dire, hein, peuvent le dire, oui, celui d'Infinite Warfare est beaucoup plus compliqué que celui de Call of Duty Black Ops 3. Pour tout vous dire, sur le compte Apex Clan Race, où on doit faire encore quelques défis, on n'a vraiment pas la motivation de le faire. On a vu encore les défis qui restaient à faire. Et moi, dès que je suis sur le compte Apex Clan Race, j'ai vraiment pas la motive de dire « Ah tiens, je vais débloquer le Dark Matter et tout, etc. » Non, c'est un peu embêtant, on va dire, là-dessus. Et donc forcément, s'il y a un mec qui a grind, qui s'est vraiment fait chier à débloquer le Dark Matter sur Infinite Warfare, pourrait avoir ces sortes de variantes. Et c'est quand même assez beau de se dire que voilà, les camouflages changent. Féliciter la personne qui s'est vraiment amusée à grind le jeu. Parce que tu vois, le Prestige 30, on est d'accord, le Prestige 30 sur Infinite Warfare, il est tout pété, mon pote. Il est tout pété. Donc dès que tu arrives Prestige 30, qu'est-ce que tu débloques? Un couteau nucléaire. Ok, donc le mec qui en a rien à foutre des nucléaires, oui, parce que nous, moi je suis un tryhard, parce que voilà, moi je veux des nucléaires, etc., etc. Mais il y a des gens que c'est pas du tout leur délire de mettre des nucléaires, on est bien d'accord là-dessus, mais mon délire à moi étant de mettre des nucléaires, d'enchaîner des grosses séries, autant que ça soit en solo ou en groupe, et se dire quand même que, je sais pas, t'es prestige 30 et t'as rien. T'as un couteau nucléaire, le mec il doit juste avoir le seum de dire, ouais, je suis prestige 30, mais... J'ai quoi? J'ai rien, tu vois, c'est comme le level 1000. Le level 1000 sur Black Ops 3, au final, t'as des vieux logos à l'ancienne de Call of Duty Black Ops 1 et Call of Duty Black Ops 2 et World at War. Donc, au final, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi, je trouve ça un peu dommage là-dessus. Je pense qu'il pourrait quand même faire un peu mieux niveau Prestige 30. Alors, je sais pas s'il y aurait également des nouveaux Prestiges sur Infinite Warfare. Il y a une nouvelle rumeur qui parlerait de 10 Prestiges supplémentaires. Mais bon, cette rumeur-là, j'y crois pas du tout. Je vous le dis tout de suite, hein. J'y crois mais absolument pas à cette nouvelle rumeur. Après, tout est possible avec Infinite Warfare, hein, comme la fameuse ligue sur Infinite Warfare. Je vous en avais parlé disant que c'était une rumeur et au final, c'est quand même sorti. Donc voilà, on sait jamais là-dessus. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien savoir quel est votre avis là-dessus, si selon vous c'est vrai ou si c'est fake, si cette news est fake. Moi, ça serait quand même assez intéressant de voir si c'est vrai, si ça sort vraiment sur Infinite Warfare. Je serais quand même assez content pour les personnes qui ont énormément grind Call of Duty Infinite Warfare pour obtenir justement le Dark Matter ou je sais plus comment il s'appelle, Black Sky ou Blue Sky, je m'en souviens plus du tout comment il s'appelle en anglais, peu importe. Tu m'as compris. Et en espérant également de vous revoir sur Infinite Warfare en live. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là ces derniers temps. Ouais, la Outed, c'est quand tu refais des lives et tout. Écoutez, la dernière fois, je voulais vraiment partir en live mardi. J'attendais, les nouvelles armes sur Infinite Warfare. J'aurais cru qu'elles seraient sorties ce jour-là parce que c'est toujours à peu près le mardi, 19h. 30 et 20h, c'est à peu près dans ces zones-là, et puis là, il n'y avait pas d'érade nucléaire, il n'y avait pas de RAW, il y avait également non plus le modèle, ni le barrette, donc il va falloir attendre un peu pour ces prochaines armes qui vont arriver. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir, plus de 1000 likes, de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer les notifications, t'inquiète mon pote, je le répète jusqu'à la fin de cette vidéo, ouais. Le cerveau, ouais, ça c'est les examens et tout. Enfin bref, c'était Loctet tout.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peace out.